Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Monsef. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Souber Ketani. Prête-moi ta plume. Dans « Prête-moi ta plume », vous avez écouté « La grande maison », premier livre de la trilogie de Mohamed Dib, Algérie. Nous allons nous consacrer au second livre, « L'incendie ». L'angle choisi par l'écrivain pour cet ouvrage qui paraît en 1954, 3 ans après le premier donc, est le même. C'est à travers Omar, un enfant d'Alger de 10 ans, que l'on découvre l'Algérie misérable de la fin des années 30. Nous sommes exactement en 1939. Et Omar a obtenu l'autorisation de sa mère, Aini, d'aller à Bni Boublen, la campagne environnante de Tlemcen, avec Zohr, une jeune fille de Dars Betar, qui rend visite à sa sœur. Nous allons donc découvrir avec Omar la condition paysanne, le rapport à la terre, le rapport aux colons, le rapport à l'exploitation, donc à la colère et à la révolte. Et puis à la mémoire qu'incarnent de nouveaux personnages, vieux pour la plupart, comme Commandar, El Viejo et d'autres. L'incendie. Prête-moi ta plume. Montagin ou varan, ou misidrer ou zawali, y reste le vrib ou y wavou. ودني ويرق من سيرجيز أماكن ما زال زكي فارجي صولي وثورة ويتساردون في فسني ويورا غستيرا يسفر فوزني سلفني سنترا يوفرني جيجني دفسون سويسي ودي وشحنك نتليوا سيني وسود مني غزا لك ورجين يسيور القول قامون تاقين وفغاني ومس درار ماشي داقين كين من فينا غوم اخوان سفيت كاويد رواني طيش حرقني رغانا مليريش افسيدك ويهوزني شوفان سولي ويسنانا دي محن بتمحن لانسي دي محن غاسك نور دي جي من عام وين تخدم ريح السب أزرعين سمك انهرت مجال تقامون تاكين وغراني ومسدرار مقبيلي بغسل بغيب ويد وضو وصير بسار أمح وستيو أثيني يوران في دوني ثيو ذار وصنزي ما سفرون أمين وغالغ دقليد نغاتني ميوا غنيد سهوى وينا بشوران سلح ملام ساتي يا ناس نوران يا ناس قواس أنا لما ينفاق شمار سلح ملام ساتي يا ناس نوران يا ناس قواس أكن لما يمذل الشفار Prête-moi ta plume. Quittant alors son observatoire, il s'en vint de ce côté. Ce fut d'abord de loin qu'il leur cria. « Salam, homme, ça va comme vous le souhaitez ? On bavarde ?» Salam et bénédiction, répondirent les 3 hommes ensemble qui considérèrent le nouveau venu.
Et Baba s'approcha. Puis ce fut au tour de Haïssi. Allah vous vienne en aide. Bénis soient tes pères et mères, firent les trois cultivateurs. Ben Youb lança à celui qui venait de les rejoindre. Salut, voisin Rotsi, tu es en vie ou quoi? Il y a une éternité qu'on ne t'a vu. Nous sommes pris dans la houle de l'existence. Deux autres cultivateurs arrivèrent encore. C'étaient les voisins Belkacem Nadjar et Mohamed. Bni Boublen, le haut au grand complet. Ben Youb se baissa à cet instant et ramassa une poignée de terre dans un sillon. Il montra dans sa paume cette poudre brune aux autres hommes. Il la présenta d'un geste circulaire. À mi-voix, avec un accent de gravité plein de tristesse, il prononça. Un jour viendra où nos enfants nous demanderont des comptes terribles. Ils se lèveront pour nous maudire. J'entrevois l'avenir. Je vois mes petits-fils justement irrités, chargés d'anathèmes la mémoire de leur aïeul. Je les vois s'avancer vers moi, et que disent-ils? Dieu tout-puissant! Une vision d'horreur parut accabler l'âme du vieillard qui médita. Si vous abandonnez votre terre, reprit-il sourdement, vos enfants, vos petits-enfants et arrière-petits-enfants jusqu'à la dernière génération vous demanderont des comptes. Vous n'aurez point mérité d'eux, de votre pays, de l'avenir. Il disait cela devant tous les cultivateurs de Bni Boublen rassemblés. Ne sommes-nous pas comme des étrangers dans notre pays? Par Dieu, mes voisins, je vous dis les choses comme je les pense. On croirait que c'est nous, les étrangers, et les étrangers, les vrais gens d'ici. Devenus les maîtres de tout, ils veulent devenir du coup nos maîtres aussi. Égorgés des richesses de notre sol, ils se font un devoir de nous haïr. Naturellement, ils savent cultiver. Pour ça, ils le savent bien. N'empêche que ces terres sont toutes à nous. Travailler avec la rare, ou même pas travailler du tout, elles nous ont été enlevées. Maintenant, avec elles, avec notre propre terre, ils nous étouffent. Ne croyez-vous pas qu'on est tous encagés comme dans une prison pris à la gorge? On ne peut plus respirer, frère, on ne peut plus. Ben Youb, un homme vrai, c'était à présent un vieillard, mais nul ici ne pouvait nier qu'il fut toute sa vie qu'il restait encore un homme, vaillant et courageux, ayant son franc-parler, le cœur droit. Il était sec, il était dur. Ben Youb avait une farouche figure de haïdouk. C'était sans doute un koulougli. Ses longues moustaches blanches retombaient avec un fléchissement de longe de fouet. Un haïdouk devenu paysan, mais qui, l'occasion aidant, recouvrerait toutes ses allures de guerrier, de ce guerrier qui sommeillait en lui sous la peau. Il travaillait encore beaucoup. Il était de ceux qui se dessèchent à force de travail. Rien ne l'empêchait de dire ce qu'il avait à dire. Il ne pouvait taire le mal qu'il voyait quelque part. Par tous les temps, sur les champs, on le reconnaissait de loin à la large ceinture rouge, tissé au métier dont il s'entourait plusieurs fois la taille, emprisonnant le haut de sa culotte bouffante et les basques de son cafetan gris-bleu. Il sortait, parcourait les cultures,
s'adonner à la besogne, selon la vieille coutume, tous les jours de la semaine. À peine observait-il une petite pause de quelques instants, le vendredi, à l'heure du dohr. Ben Youb examina l'un après l'autre ses voisins qui se taisaient. Ses yeux ne contenaient plus le rire qui s'y allumait tout à l'heure en étincelles pétillantes. Celui d'entre vous qui peut respirer encore, questionna-t-il, qu'il le dise ici. Qui peut encore respirer ? Son regard fit le tour de la compagnie avec son interrogation. Aucun des hommes ne desserra les dents. Devenant sombre, Ben Youb dit alors « Ah, tous les jours, il nous enlève un lambeau de notre propre chair. À la place, il ne demeure qu'une profonde plaie d'où coule notre vie. Ils nous font mourir à petit feu, veine par veine. Mes voisins, tuez-vous à la tâche. » Plutôt que de céder vos terres, de les abandonner, mourrez plutôt que d'en lâcher un seul pouce. Si vous abandonnez votre terre, elle vous abandonnera. Vous resterez, vous et vos enfants, misérables toute votre vie. » Ainsi s'exprima Ben Youb en cette fin de journée. Les cultivateurs se séparèrent en emportant dans le cœur une lourde inquiétude. Kara ne perdit pas un mot de cette adjuration. Prête-moi ta plume. Tu t'es pas lavé aujourd'hui ou quoi? Pourquoi? T'as plu? Ah bon? Ouais. Ton poulet, non? Je crois pas. Non, mon poulet est très bon, mon poulet. Je suis désolé, c'est ton poulet. Tu fais très bien la cuisine, moi, ah, toi. D'accord. Mais toi, tu pues. En rêve, tu l'as fait, hein? Bien. Facile. Tu pues la sueur. Moche, j'ai pu le vomi un peu aussi, je trouve. Non, mais j'ai eu ça comme ça, ça fait 15 ans, je te supporte. Ouais, c'est vrai, c'est bon. Eh, ta gueule, eh. Dis donc, regarde dans un miroir des fois. Attends, t'as, t'as vu que tu ressembles à un gorille? T'as jamais remarqué que tu ressembles à un gorille? Eh oh! Oh! Ouais. Tu parles autrement, ok? Ah, tu me coupes l'appétit, moi j'en ai raqué, ça va dans ma gueule, j'en ai raqué, moi tu me coupes l'appétit, oh! T'as eu. Eh oh! Ah, mais le fric! Ouais, dans le guéridon, on l'a le fric! Ah, ouais, c'était ça le gros coup que tu devais faire avec le sien, bravo! Ah, ouais, il a réussi le gros coup! 10 sacs qu'ils ont ramené! Eh ben, demain, il y aura pas de poulet, mon pote, il y aura des patates! C'est pas avec 10 sacs que je vais racheter du poulet de matin! Les patates, ça va! Et encore, on va avoir les truites aux amandes, tu vois, pour dimanche, avec ta mère, la truite aux amandes, elle se la mettra dans le cul! T'arrêtes avec ma mère un peu? Ta mère est trop jambe, tu vois! Parce que ta mère, elle a pas de couilles au cul, c'est normal. Mais alors toi, c'est gênant. Tu vois? C'est drôle. On arrête. Eh oh! T'es une comique, hein? Pas autrement. Eh oh! Nicole, elle m'a dit qu'elle t'avait vu hier à 8h sur le Barbès. Que c'est ça, le Barbès? Photographier des monuments historiques. Ah ouais? Et quel gars il avait ton appareil photo? Il était blond avec des gros lolos, ton appareil photo? Hein? Parce que je veux te dire, faut te connaître, là, vieux pervers, quoi. Ton chien qui pourra faire du poulet au ribasquès tous les soirs. Toute seule. Prête-moi ta plume. En regagnant chacun sa terre en tête à tête avec eux-mêmes, ils repensèrent aux paroles de Ben Youb. Ils se rappelèrent aussi ce qu'il leur avait dit tout dernièrement. « Ce n'est pas une vie que la nôtre. »
La vie que nous menons depuis nos plus lointains ancêtres n'est plus une vie. Nous nous ennuyons et nous n'avons plus la force de vivre. Nos parents, nos grands-parents, les parents de nos grands-parents avaient tous des devoirs. Pour eux, la vie ne pouvait se passer de devoirs. Ce que nous savons d'eux, ce qui nous est parvenu de leur temps, la manière dont ils comprenaient l'existence, me fait dire ça. Précisément, la conscience de ses devoirs avait fait d'eux des hommes, alors que nous, nous n'avons pas mieux trouvé que de nous libérer des nôtres. Comme les bêtes, nous mangeons et ne pensons à rien. Il n'y a plus de devoirs. Nous sommes des hommes qui n'ont plus de tâches à accomplir. Notre vie nous semble inutile. Nos actes nous paraissent inutiles. Nous nous promenons inutiles, nous-mêmes, sur cette terre. Nous ne trouvons aucune joie dans nos travaux qui sont devenus des travaux anciens. Pas de joie dans nos amitiés, pas de joie dans les paroles que nous échangeons avec nos semblables, pas de joie à voir grandir nos enfants, pas de joie à voir nos biens fructifier. C'est bien le signe qu'il nous faut des tâches nouvelles. Nous vivons et agissons uniquement par nécessité, pour ne pas laisser la flamme s'éteindre et en attendant des jours meilleurs. La vie reviendra avec sa joie quand nous aurons découvert de nouveaux travaux à accomplir. Avait-il raison? Avait-il tort, le voisin Benyoub? L'existence se chargera de nous l'apprendre, songeaient les cultivateurs, au cours de cette soirée paisible. Quelques jours passèrent, et n'y tenant plus, Aïssi Bouchnak, Mohamed et Nadjar allèrent ensemble voir Benyoub. Cite-nous, ne serait-ce qu'un seul de ces nouveaux travaux dont tu nous as tant parlé, lui demandèrent-ils. Eh bien, voyons, par exemple, la grande majorité de nos paysans creusent la terre à un pouce de profondeur. Il faudrait désormais qu'ils labourent à une coudée. Le regard de Benyoub se posa sur les quatre hommes. Me comprenez-vous maintenant? Va, et encore, opina Mohamed. C'est tout. Ah, fit Mohamed. Oh. Bouchnak fit remarquer. Ce que tu dis là, je le pense aussi. Mais moi, je le dis pour tout le monde. Et pour tout, reprit Benyoub. Alors comme ça, il faut que nous nous mettions tous à creuser des sillons d'une coudée de profondeur. Oui, d'une coudée. Et il faut des hommes nouveaux pour le faire, fit remarquer encore Bouchnak. Il n'y a que des hommes nouveaux, en effet, qui comprendraient ça, convint Jar. Est-ce que nous avons ces nouveaux hommes? Dis-moi. Les avons-nous? Observa Aïssi, qui n'avait pas prononcé un seul mot jusque-là. Nous ne les avons peut-être pas, hasarda Benyoub, mais peut-être les avons-nous. As-tu bien regardé autour de toi pour savoir s'il n'y en a pas? Si j'ai regardé autour de moi, regardons en nous et autour de nous. Et sans doute découvrirons-nous des hommes qui étonneront le monde et nous-mêmes. Benyoub réfléchit un peu et ajouta. Pour ça, je dis, désormais, creusons des sillons d'une coudée de profondeur. À cet instant, Bouchnak se mit à dire « Notre vie se fait de jour en jour plus riche en phénomènes divers et inhabituels. Nous sommes, nous, les témoins d'une époque nouvelle. Et nous ne sommes peut-être pas seulement des témoins. Nous avons même sûrement une part directe dans ces phénomènes.
nous et, enfin, le monde. Au fond, tout cela revient au même. L'homme d'aujourd'hui pense bien plus qu'il ne sait exprimer, commenta Mohamed. L'homme algérien pense beaucoup en ce moment. Et que va-t-il sortir de tout cela? Rien de mal, j'espère. Du bien, voisin Mohamed, rien que du bien, crois-moi, répliqua Ben Youb. L'âme très vaste de notre pays est ébranlée, assura Mohamed. Prête-moi ta plume. Habillé en rouge comme un drapeau, jusqu'à le tapelage sous les pavés, la marée noire a emporté. À moins que ce soit la marée brune, j'ose à peine y croire. Y'a plus de paix, pas chaud pour avoir l'espoir. La révolution, c'est plus comme avant. Avant, t'avais le marais et le blanc. Et maintenant, t'as plus du gris partout. On n'a pas vraiment avancé beaucoup. Et tu sais, moi je les envie un peu. Tous ces mecs qui foutent le feu dans leur banlieue. Sans pas appris à réfléchir, juste appris à vomir. Et vomir, ça fait du bien. Quand t'attends vraiment plus rien. Quand t'attends vraiment plus rien. Quand t'attends vraiment plus rien. Et c'est rien qui t'attend. La révolution, c'est plus comme avant. Avant t'avais le noir et le blanc. Et maintenant t'as plus du gris partout. On n'a pas vraiment avancé beaucoup. On n'a pas vraiment avancé beaucoup. La révolution, c'est plus comme avant. Avant, t'avais le noir et le blanc. Et maintenant, t'as plus du gris partout. On n'a pas vraiment avancé beaucoup. Prête-moi ta plume. Il n'y a pas un seul pays comme le nôtre. Le corps de Badedouch oscillait d'avant en arrière. Le jeune Flach ne répondait rien. Va n'importe où. Quand tu auras trouvé un pays comme le nôtre, tu me le diras. Je ne pense pas, non, qu'il existe ce pays. C'était déjà les hautes terres, de la pierraille dénudée, de la pierraille et du vent. L'après-midi d'août s'aiguisait sur les côtes blanchâtres de la falaise. Hashmi maugréa. Le son rock s'éteignit dans sa gorge. Ce fut tout. Le vieil homme, assis sur un rocher gros comme un sac de blé, cambrait le buste. Hashmi le regardait. Il était grand, brûlé. Oui, il n'y a pas de pays comparable au nôtre. Soudain, le jeune Flach cria. « Badedouch !» Il paraissait tout excité. « Je veux bien en convenir, pourquoi pas, mais alors tu as visité d'autres pays ?»«
Pour dire qu'il n'y en a pas de comparable au nôtre ? Je n'ai été nulle part. Pourtant, je le sais. Aucun pays n'est comme le nôtre. Les deux hommes étaient adossés à un piton de pierre. Ce piton, blanc d'un côté, noir de l'autre, gardait la route. Le vieux Fleh et le jeune Fleh s'étaient réfugiés du côté noir. Le vent soufflait d'autres monts dressés à l'horizon. Ils scrutaient avidement la pierre, le village qui s'entassait à pic à leurs pieds et au-dessus d'eux, le plateau qui se calcinait. Hashmi sourit. Le visage conservait son sérieux juvénile. Ceux qui ont visité tous les pays m'ont raconté. Il n'y en a pas de comparable au nôtre, dit le vieux. Les petites dents alignées du jeune Fleh apparurent. Le soleil pleuvait comme de la chaux vive. La chaleur mettait dans la bouche une saveur d'air surchauffé et de pierre. Mais non, il n'y a pas un seul pays comme le nôtre, dit à nouveau Badetouch. Il humait l'odeur de thym que transportait le vent, et surtout cette odeur de pierre. Alors, comme ça, Badetouch, le plus jeune avait posé cette question au plus âgé. Hashmi était brun, mais non pas le plus brun. Badetouch l'était davantage. Badetouch était presque noir. Le visage du jeune Fleh paraissait presque blanc à côté du sien. Il était aussi plus doux. « As-tu été dans d'autres pays, Badetouch ?»« Non, mais j'ai parcouru le nôtre de long en large dans tous les sens. Grand est notre pays. J'y ai vu toutes sortes de gens, des hommes et des femmes. J'y ai vu toutes sortes de choses, de tout. Notre pays n'est comparable à aucun autre. Mais tu es revenu à Bni Boublen. Pourquoi pas ? Répondit le vieux. C'est tout naturel. Tu es né, tu as grandi ici. Hashmi montra la plaine qui s'étendait devant eux. Pourquoi pas ? Dit Badetouch. Maintenant te voilà vieux. Tu es venu vers la terre de tes ancêtres. Tu ne comptes plus la quitter. Pourquoi la quitterais-je, jeune homme ? Alors tu as préféré la terre de tes ancêtres au reste du pays. Et pourquoi pas ? Répondit le vieillard. Ainsi tu préfères un endroit à un autre ? Pourquoi pas ? Dit l'ancien. Partout, c'est notre pays. Hashmi haussa les épaules et garda le silence. À ses pieds était tassée une grosse motte de terre rouge. Lui trônait sur une bosse de rocher qui affleurait. Il se pencha en avant, tira de sa grande main brune une mousse d'herbe fixée au sol. Il en toucha la chevrette rouge qui resta allongée. La caressant, il tendit la mousse devant ses naseaux humides. La chevrette entr'ouvrit les babines et les avança pour mordiller. Fermant ensuite longuement les yeux, elle continua à mâcher dans une sorte de sommeil. La chaleur de cet après-midi avait la sécheresse de la pierre. Hashmi releva la tête, observa Badetouch. Il n'existe peut-être pas de pays comparable au nôtre. Seulement, tu ne peux pas dire qu'on y trouve du travail. L'éclat du jour entrait dans leur tête comme des fragments de pierre. Leurs regards se fixaient obstinément sur la morne fusion des nappes grises de la plaine. La réverbération des grandes étendues lessivait le jour. C'était partout la même blancheur. Le même soleil se détériorait, se diluait dans l'espace. Quelque chose dans le visage de Badetouch le fierrot tressaillit. Il enregistrait de lourds assauts. Le jeune Fleh rechercha de l'herbe pour la chevrette. Il se pencha encore et même s'agenouilla.
Badadouche dressa sa grande stature. « Tu ne trouves personne pour te faire travailler dans ce pays incomparable, » dit Hashmi. Le vieil homme gonfla sa poitrine. « Tu es vieux, tu n'as personne pour t'aider. » Badadouche, le buste droit, se campa ainsi. Chaque main posée sur un genou, sa grande personne dépouillée, brûlée par le soleil et triste. Le vent lui plaqua la tunique contre la poitrine. Dans l'après-midi, des hommes tout noirs passaient sur la route. « Hashmi, » dit le père de Dadouche d'un ton plaintif. Ce fut comme un appel jeté sans raison. Le jeune homme examina Dadouche. Une sorte de gémissement avait échappé au vieux. Celui-ci était presque debout tant il se redressait. Ses mains, devenues inquiètes, semblaient vouloir s'agripper au vent. « Je ne trouve pas à travailler. Peut-être. Je suis vieux. Je n'ai peut-être personne pour m'aider. Mais je ne crois pas qu'il existe un seul pays comparable au nôtre. » Il parlait avec violence. Il y aura des jours mauvais, mais il y aura aussi des jours bons. Il se radoucit du coup. Tandis qu'il avalait le vent avec désespoir, il se cambrait de plus en plus, toutefois. Ces derniers mots, il les avait projetés dans l'air d'un ton strident. Le jeune Fellah dit « Il y aura encore des jours mauvais. » Il regardait Badadouche, le viejo. Le visage tout noir dans l'ombre, et lui, le vieil homme, observait le pays. Presque affectueusement, celui-ci concéda. « Voilà comment nous vivons dans notre pays, fiston. »« Comment, dis-tu, demanda le plus jeune, nous y vivons, comment ? On ne s'y enrichit pas. »« Et après, il ne s'agit pas de ça. » On peut même très bien vivre sans s'enrichir. Ça vaut peut-être même mieux si seulement on pouvait travailler, s'il y avait du travail. Badadouche détourna la tête. « Il faut que je m'en aille, petit, » dit-il. « Je suis attendu en bas. On a besoin de moi. » Les pierres s'éboulaient sous leurs pas avec un claquement qui se répercutait tout au long de la pente raide. Hashmi et Badadouche bondissaient de rocher en rocher. Le soleil durcissait la montagne comme une galette. « Aïe, 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 qu'importe le chômage !» cria le vieux contre le vent. La conversation devint impossible. Le vent renfonçait les mots dans leur bouche. Badadouche eût pu répondre que s'il ne travaillait plus beaucoup, il connaissait des gens qui, eux, n'avaient jamais travaillé, que leur vie se passait comme ça. Mais ils ne savaient plus parler à cause du vent. Et ce n'était pas de ces hommes qui n'avaient pas travaillé une seule fois qu'il voulait parler particulièrement. Parce que lui, le père de Dadouche, il avait manié la pioche toute son existence. Et le voilà maintenant, vieux. Sans doute n'était-il pas près de sa fin, mais il se sentait très vieux de cette vie. Il avait beaucoup perdu. Il n'était plus aussi bon. Les fermiers le savaient. « Ce n'est pas le chômage qui fait le plus mal, » s'écria-t-il. « Ce n'est pas ça. Je n'ai pas toujours été chômeur. Si j'ai parcouru l'Algérie d'un bout à l'autre, c'est justement pour qu'il ne soit pas dit. » Il s'arrêta net, le souffle coupé. Il dut ravaler ses paroles. Quand il put parler de nouveau, il dit « C'est justement quand nous travaillons, les vignobles, les fermes, on y travaille dur. C'est là que ça nous fait le plus mal. » D'un mouvement du bras, il désigna le pays. « Est-ce à cause du chômage que moi, ici présent, je suis vieux ?
que je n'ai personne pour m'aider, que je n'ai rien pour assurer les jours qui me restent à vivre. « Non, je reconnais !» hurla le jeune homme. « Tel que tu me vois, j'ai trimé toute mon existence, et voilà que je suis vieux à présent. » Il était vieux. Il avait travaillé durant toute son existence. Et voilà qu'il était sans rien, voulait-il dire. « Et tous ceux qui travaillent !» cria-t-il encore. « Et tout cela !» Il regarda les vignobles, les grands domaines au-dessous d'eux. « Tu ne sais pas, Hashmi ?»« Quoi ?»« Quoi, Bedadouche ?»« Les colons sont malheureux !» Est-ce... Une rafale emporta la question. « J'ai toujours travaillé comme un esclave !» gueula le vieux Feller. « J'ai peiné comme pas un sur leur terre, et je n'ai pas eu peur d'eux. »« Tu as eu raison, fichtrement raison !»« Et même que je m'en foutais, tu sais, ce qui m'enrage, c'est qu'ils s'emparent de tout !» Hashmi lança. « Tu as raison, ils s'emparent de tout !» J'avais ma terre, rien qu'un bout de terre. Tu ne t'en souviens pas, toi? Je ne m'en souviens pas, mais ce devait être un bien petit bout de terre. Mais c'était ma terre, j'avais mes bêtes et mes semences et une petite vache du pays. C'est vrai que tu avais une vache? J'avais une petite maison aussi. Je vivais heureux. Avec ma femme et ma petite fille, Rim. Tu ne t'en souviens pas, tu n'étais pas née encore. Je te connais depuis des temps. J'étais peut-être bien un peu jeune, mais je me souviens de ta petite. Elle était gentille. Bien, les colons m'ont tout pris. Ah, les colons! Les deux flairs s'arrêtèrent pour examiner l'horizon. C'était maintenant deux hommes qui pensaient à autre chose. On pouvait voir, depuis qu'ils s'étaient tournés face au soleil, que le plus jeune portait des taches bistres sous les yeux. Le paludisme le rongeait. Son regard était brillant et fiévreux. Son visage, avec la barbe naissante qui frisait, paraissait jaune olive. « J'ai été jeune et fort comme toi, Hashmi. J'ai travaillé comme un nègre. »« Bien sûr, Bedadouche. Ce sont eux qui mettent de l'argent de côté. »« Bien sûr. Et ils s'agrandissent tant qu'on ne sait plus où ils iront. »« Ces pauvres. Et ils empoisonnent la vie des gens qui travaillent pour eux. » Ils sont bien malheureux, Bedadouche. Et il y en a même qui sont nos amis. C'est-il vrai? Oui, il en existe. Il en existe qui disent qu'ils sont nos seuls amis. Bien vrai, y en a-t-il qui disent ça? Ils sont bien malheureux. Tu as raison. Et ils accumulent des montagnes d'argent. Tu l'as dit. C'est vrai qu'ils vous avaient jeté comme des chiens. C'est ce qu'ils avaient fait. Nous ne voulions pas partir. Ils nous avaient chassés de force. Mais ils nous avaient jetés quand même. Ah. C'est bien ainsi que ça s'était passé. Ces colons. C'est vrai. Ils font ce qu'ils veulent. Il y aura encore des jours mauvais. Tu te fais vieux. Ils disent que tu ne sers plus à rien, pas vrai? Qu'il n'y a aucune raison d'entretenir personne. C'est vrai. Moi, je suis jeune encore, je suis bon, n'est-ce pas, Bedadouche? Tu es jeune et bon. Mais les colons sont, oui,
Et les Flers sont des gens heureux. Il faut qu'ils aident. Ces pauvres colons. Ils se considérèrent avec un drôle de clignotement dans les yeux. Sur la route, quelques hommes se groupaient. Ils firent tout de suite tache dans l'intense clarté. « Vite, fiston !» dit le vieillard. Ils continuèrent à descendre. « Mais l'argent, Badedouche, le maudit argent, maudit soit-il jusqu'aux confins du monde ! Il endurcit le cœur qui devient comme un morceau d'os. Ah, l'argent, bien sûr. Et ce sont de vieux amis. Ils ont pris ma terre, ma maison, ils ont tout pris. Nous parlons de choses que nous ne comprenons pas. L'argent rend les hommes malheureux. Hein? Combien malheureux. Le vieillard se tut. En ce moment, il était un homme qui pensait encore à autre chose. « Qu'ils sont malheureux, soupira-t-il en fin de compte. Quand il n'y aura plus de colons, ils seront bien malheureux. » Badedouche le viejo semblait transi, bien qu'il fît chaud. Sa barbe faisait l'effet d'un cœur de chardon. De son cou strié de riz tombait une chemise maculée à col échancré. Hashmi, le dos au vent, une main appuyée sur sa houlette qu'il avait plantée au sol, se courba et regarda les chèvres là-haut qui flairaient la rocaille. Et il regarda parler le vieux. Son visage paraissait brun. Maintenant qu'il se tournait vers l'ombre. Tout en écoutant, il souriait, et le vieux parlait sans sourire. En bas, sur la route, le petit groupe d'hommes noirs n'avait pas bougé de place. « Adieu !» dit Badedouche au jeune homme. Il s'en fut vers les hommes qui s'étaient rangés à l'ombre des arbres. « Va en paix !» lança Hashmi. Le jeune Fleur remonta par le même sentier vers la montagne où erraient ses chèvres. Les heures les plus incandescentes se déchaînaient. Prête-moi ta plume. I will love.
Prête-moi ta plume. À présent, seul, sur la route, Badetdouche le viejo sautillait. Son allure allègre ne laissait point présumer l'âge avancé du bonhomme. On eût dit un de ces jeunes boucs qui hantaient le pays. Badetdouche s'approcha, et comme s'il n'avait fait qu'un bond, il était là, devant l'assemblée. C'était bien de lui. Ah, Badetdouche, aïe, 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 quel homme! Les gens du pays disaient « Ah, le finot !» Et quand, pour la première fois, on le regardait, on ne pouvait s'empêcher de le penser aussi. Oui, il avait le nez fin. De fait, rien qui bougea dans les champs ne pouvait échapper à son œil de chat. Badetdouche, empaqueté dans sa tunique aux vastes manches ouvertes et ses larges pantalons de coutil tout tachés, se campa devant les fleurs. « Ah ah ! Vous ne vous attendiez pas à me voir, mais me voici quand même, » dit-il. « Oh, Badetdouche, comment va ? » lui cria-t-on. « Sois le bienvenu. Approche, si tu n'as pas peur de nous. » Cette innocente plaisanterie fit rire tout le monde. Ali Berrabah, le fleur qui l'avait salué, reprit. « Tu peux t'approcher de tes frères. Toi aussi, la terre t'a enfanté. Tu es un fleur. Je dirais même plus fleur que nous tous réunis. Et jamais un fleur n'a craint le contact des siens. » Un peu à l'écart du groupe, Badetdouche s'accroupit sur la terre sèche. Se tournant de côté, les orteils qui soutenaient son corps plantés dans la poussière, il lorgnait la compagnie. Quelle matoise vivacité dans cette figure velue à laquelle s'ajoutait une expression de finesse asiatique. Il se tenait comme s'il se fût trouvé en compagnie de messieurs de la ville. Il voulait rester loin d'eux. On ne l'avait ni mal reçu, ni offensé. Allons bon, qu'avait-il ? Il fallait se méfier de l'esprit caustique de l'ancien. Allait-il encore sortir une de ces plaisanteries qui sentent le fagot ? Tel était oncle de douche. S'il commençait à prendre des airs sérieux, c'était à ce moment-là qu'il fallait faire attention. Il demeura tout de même à bonne distance, dans une attitude déférente. Les autres se sentaient honteux et ils riaient. Pourquoi restait-il sans bouger, sans souffler mot ? Alors, quoi ? Que se passait-il ? Peut-être était-ce sans intention de méchanceté. C'était un tort. Voilà plutôt ce que son attitude semblait vouloir dire, et même un grand tort, s'ils avaient pensé qu'il n'était plus bon à rien. « Moi, je suis dans le pays, dit-il, le seul à connaître tout. Les bêtes, les pierres, les hommes. Je suis dans le pays avant tout le monde. » « C'est sûr, » reconnut Ben Salem Adin. Elle comprend beaucoup de choses, la vieillesse, même si elle est dure des fois à se décider. D'abord, il n'était même pas vieux, un vieux comme lui. « Alors, approche-toi, ne reste pas tout seul là-bas, Badetdouche. » Badetdouche sourit et dit « Ce n'est pas la peine. » Vous avez tort de penser que vous pourrez nous oublier complètement parce qu'on est vieux. Je crois que nous sommes encore capables de quelque chose, j'en suis même sûr, et de beaucoup de choses. Vous le verrez bien un jour. » Il proféra cette dernière phrase dans un murmure. Il ne voulait pas insister.
Les prières des Flechs ne le firent pas bouger d'un pouce. « Oui, je suis venu, » poursuivit-il, « parce que je sentais qu'il était de mon devoir d'être avec des hommes dont le cœur vit et souffre. Oui, je suis venu, parce que j'ai cru qu'il était de mon devoir. » Il voulait dire à ces hommes. Il ajouta qu'il avait aussi sa fierté, qu'il ne supporterait pas, non, qu'il ne supporterait plus. On n'ignorait pas qu'un homme comme Badouche, il était venu parce que c'était un devoir. Parce qu'on est vieux, on est fini. On a eu tort, c'est juste, de ne pas t'avoir prévenu. Mais on n'a pas de réunion aujourd'hui. Pauvre Badouche. Les Flechs ce jour-là avaient simplement décidé de se voir pour convenir d'une rencontre plus importante. Comme tous ici, Badouche endurait tout juste ce feu qui habitait sa poitrine. Entreprendre quelque chose. Ce désir gisait au fond de ses pensées, guidait inconsciemment ses actes. À quoi bon vivre si cette existence ne servait à rien? Dans chacun de ses mouvements, il semblait qu'il y eût un mot de protestation, un seul, vivant et fort. Prête-moi ta plume. Ainsi, on est emporté par la vie. Comment fais-tu de paille dans l'infini? Et puis, on est tenté de tout laisser tomber et de ne plus lever les yeux de sur ses pieds. Et puis, si par hasard, on a la chance de trouver, de tenir l'amour immense, alors, on a tendance à oublier l'ami, l'autre qui dort tout seul dans le froid et l'oubli. Je voudrais faire vœu de ne jamais détourner le regard, mais je sais bien que dans les gares, on est toujours trop en retard. J'aimerais bien faire valser la misère jusqu'au bout de l'univers, jusqu'aux confins du ciel, mais je redescends trop tôt sur terre. Alors reprends le train-train quotidien, celui qui vous enveloppe si bien, celui qui peint vos rêves, celui qui fait la trêve avec la conscience d'Ève et du serpent. La banque, la maison, la femme, les enfants bientôt effaceront tous les relents. Relents d'élan de cœur, confondant dans un même caramel, écœurant le diable et le bonheur. Je voudrais faire feu de ne jamais détourner le regard, mais je sais bien que dans les gares, on est toujours trop en retard. J'aimerais bien faire valser la misère jusqu'au bout de l'univers, jusqu'aux confins du ciel, mais je redescends trop tôt sur terre. Évidemment, on ne change rien en chantant ou en frappant d'aile de poing sur la table de sa salle à manger. Rococo, on risquerait de renverser les verres. Hello, pourtant, si l'on y réfléchit, c'est bien le bonheur que l'on retient dès demain. Pourrait-il vraiment fuir en tendant comme une fleur une main ou d'un bras vers sa main, vers son bras? Je voudrais faire vœu de ne jamais détourner le regard, mais je sais bien que dans les gares, on est toujours trop en retard. J'aimerais bien faire valser la misère jusqu'au bout de l'univers, jusqu'aux confins du ciel, mais je redescends trop tôt sur terre. Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Monsef. Prête-moi ta plume. Émission réalisée par Zubair Ketani.
Prête-moi ta plume. Chut.